qui suffit. Mais j'enlève le truc de l'aération là, j'ai un petit problème avec la ventine. Mais c'est pas comme ça qu'on déclipse hein. Bah oui, mais y a rien qui va, hein. Y'a rien qui va. Mais pourquoi tu déclipses, il est con. Elle souffle plus. Voilà. Mais passe pas sur ma bagnole toi, t'es... Non bah c'est... T'as mis le i de GTI en rouge. C'est même pas une vraie GTI. Mais si c'est une vraie GTI, oui, de vrai. Oui. T'es juste jaloux avec ta vieille 206 là où tu fais que de changer mais tes pièces et tout. Visuellement, quand tu regardes ma 206, elle est trop belle comparée à ton épave, frère. Alors déjà, visuellement, elle pique les yeux. Dis-moi ça, dis-moi le cul, dis-moi l'échappement et tout. Oh là là. Tu t'es habillé dans le noir? Bah non, pas spécialement. J'ai plus de burgers que ce qu'il y a sur le pantalon, t'imagines? Il y a plus de burgers sur ton pantalon que t'as de cuir. C'est aussi méchant ça. Eh mais du coup, je voulais te parler d'un truc là. Ouais. T'as checké un peu sur les groupes là, Messenger et tout? Non, ça me pète les couilles. Il y a au niveau du motel aujourd'hui là, les mecs ils peuvent nous donner de la cargaison si on veut. Et on doit aller livrer. Oh. Bah par contre, faut aller dans le nord. Je sais pas si ta voiture elle va tenir jusqu'au nord. Oh tranquille, elle passe, mais nickel, casse pas mieux que la tienne. Tu veux qu'on appelle la dépanneuse Noroto pour la tienne? Toi tu peux le faire le truc en dépanneuse sinon. Si, ferme ta sinon avant que je te démarre. Ouais, essaye de démarrer. Pas que j'ai encore la batte de baseball bagnole. Dans ma. Ferme ta commence pas à m'énerver. C'est un truc en 2-2 et c'est bien payé en plus. Vas-y, on fait ça, moi je suis chaud. En fait, je te demandais pas si t'étais chaud en fait. C'est juste tu viens. Ah bah oui, mais on est le sang. Oui, bah oui, c'était ma pute en fait, c'est pour ça, tu vois. Rien du tout, rien. Tu parles encore une fois comme ça, j'aurais peur de démon. Ton épave roulante là, qui pue là. Parle mieux. Oh là là là. Putain, j'ai les vitres vraiment teintées de fou. Hein. Eh, par contre, avec l'aérateur à moitié niqué là, c'est un peu chiant. Ah ouais, mais si t'es con, c'est pas de ma faute. Tu me suis ou je te suis? De toute façon, tu sais, c'est au niveau du motel dans le nord. Par contre, je sais pas ce qu'elle a la direction de ma caisse, mais elle est molle et tout, c'est un truc de fou. Ah, c'est ça d'acheter des épaves. Hein. Il y a une épave, mais elle s'est pas de... Ouais, quand t'auras des arguments, tu viens d'en parler. Pff, là, les vitres teintées, c'est vraiment teinté. Vas-y, trois coups et on s'insère, on part, on accélère. Vas-y. Fais. Allez. Oh, bâtard. Oh, il a le meilleur accès, le chien. Alors. En vrai, j'ai les pneus qui sont pas chauds de fou. Je sais pas si c'est la meilleure excuse. Attends, je ralentis un peu, je t'attends parce que je vois que... Attends, mais ta voiture, elle est survitaminée, là, c'est trop. Mais ça va pas tenir longtemps, moi c'est sur la durabilité hein. On change de caisse tout le temps, t'as pas besoin de la durabilité. Merci mec. Ouais, va faire la queue comme tout le monde, va dégage, va. Au moins il voit qu'on est arrivé quand même, c'est très important ça. Hop là, porte papillon bien évidemment. Alhamdulillah comme on dit dans le milieu. Ouais, bien. Ouais, putain, t'as... J'ai pas, mais j'ai de la... T'es flower, hein. T'es flower. Ouais, bah, bon homme, tu connais. Ouais. Un peu skinny, le bas aussi, un peu. Ouais, mais c'est pour montrer les mollets, tout ça, tu connais. Bref, bon homme, on est des hommes. Allez, au revoir, on s'est allez, jamais. Puis, ouais. Ouais, la bise, mon gars. Un pélo, dégage. Ah, c'est beau, tranquille. Tiens, mon gars. Merci, mon gars. Toi aussi, là. Tu fais 5 balles, 5 balles. Non. Vire de là, toi. Ah, super. Vas-y, à la prochaine. Vas-y, Watchman. Qu'est-ce que tu veux? Une dizaine de grammes de weed, s'il te plaît. Ok, ça marche. Weed, sa mère. Mais c'est tous des camés, j'ai l'impression. Bah, y'a que nous, ça. Ça me... Bah, non, sans balayer. Nous, moi, je veux l'argent. Bon. Yes, man, super. Je te dois combien? 50 balles. Ouais, je te fais ça. Il va consommer. Allez, suivant. Pas. Vous voulez combien? Vachement grasse. Bah, c'est nous, ouais. Je commence à. On veut combien? C'est nous, frère. Ah, ouais, putain, c'est vrai. Le go fast. Ouais. Du coup, vous passez ça où? La cité, comment elle s'appelle, la cité de merde là qui est vers la plage? C'est pas l'autre Casos de Picasso là? Ouais, voilà, Pablo Picasso, on doit aller déposer là-bas. Ouais, là avec les voitures là? Ouais, les bêtes de compète. 10 de chaque pour vous. Ah bah nickel, c'est bon. Avec les bêtes de compète là, en 2-2. Là c'est mission gagnée là. Gagnée d'avance. Décale-toi un peu là, c'était l'M, je me le fais. Mon gars. Nickel. Ah ok, c'est pas comme d'hab là en fait. Ah non, c'est un cran au-dessus mon ref. Ah ok. Ah ouais. Ah il rigole plus en fait. Allez, tiens, et toi tu prends ça. Vous avez pas la même marchandise donc faites attention. C'est discret vers ici de faire ça? Bien sûr, c'est mon terre-terre ici. Il y a la gêne là-bas mais fait blé, je les connais. On peut être glié frère. Mais non, je les connais, t'inquiète, ils feront rien. Ils prennent un pourcentage, c'est tout. Si on s'est pété avec un truc sur nous, on est mort, non? Bah, c'est le but d'être discret, quoi. Mais ici, on n'est pas discret, justement. On aurait pu faire ça dans un endroit fermé, en fait. Non, là, c'est chill. Et tu consommes ce que tu vends, on est d'accord? Un peu.
Bah sinon, ça sert à quoi de vendre? Faut faire des business, man. Oui, faut bah justement, le but c'est d'acheter et de revendre. Nous, on achète, on fait le trajet et on revend. On revend plus cher. Bah chill. Et j'ai l'impression qu'il a pas la lumière à tous les étages non plus. Mais... Faites attention, sinon je vais vous faire gober ce que je vous ai donné, vous. T'as tout vendu là, c'est fini? Bon, il m'en reste un peu, mais vous avez fait fuir tout le monde. Regarde, Théma, y a plus personne. Comment ça, on a fait fuir tout le monde? On m'a appelé, on m'a dit viens chercher, ramène. Quand vous êtes arrivé, il y avait du monde, t'as vu? Ouais, ah oui, c'est vrai. T'as vu, il y avait du monde. Là, il n'y a plus personne, bizarre. Vous faites fuir les hommes. Ça va revenir, t'inquiète. J'espère bien pour vous. Vas-y, la bise, allez, on se pète. Ouais, allez, on se pète. Il est déglingué du cerveau. Non, mais je te jure, il a consommé. C'est sûr, il a consommé. Il a obligé de la fumer à la place du cerveau, lui. On passe à la supérette, vite fait, après on se pète. Vas-y. Vas-y, il y a une petite supérette à côté, là. J'ai aussi faim. Ah, mais ça, c'est parce que t'es un gros. Pour moi, ça, je suis un gros. Oh, les gars, j'ai un problème de porte, vous savez m'aider? Ah. Comment ça? Bah je sais pas, quand je roule la porte elle s'ouvre. Je vois ça dans le rétro, c'est trop chelou. Vas-y roule. Ah oui. C'est mal, là, elle attends, ouvert, vas-y, attends, t'inquiète, je vais régler ça, t'inquiète. Vas-y pousse-toi. Vas-y règle le truc. Vas-y, t'inquiète, je le règle. Ah mais, simple. Là ça tape là non? Non, t'inquiète gros, je ferme la porte là. Chef, ah ok. C'est bon, c'est bon. Ah, vas-y. Là, c'est presque éclipsé là. J'essaye, je roule. Vous me dites les gars. Vas-y. Eh ben nickel mon bœuf. Oh trop fort. La bise. Bon. Je demanderai au gars de t'augmenter toi. Nickel, bon. Vas-y t'inquiète. Merci. Vas-y. Surtout moi, le mec en vert, oublie pas. Ouais c'était l'aime, t'inquiète, je t'aime bien. J'aime trop être utile comme ça. C'est incroyable. Tu lui as défoncé la porte, heureusement il a rien capté. Mais il est con. T'as de la chance, il a de la fumée à la place des yeux aussi. Les groupes ils sont chelous. Bah non, pas tant que ça, t'es mort, il est juste un peu différent de nous. Oh bah j'espère être beaucoup différent de lui, moi en fait. Des gens, c'est fou. Ouais, t'as vu ça, jante allégée et tout. Oh là là, elle touche pas trop la porte. Oh sa merde. En fait, y'a rien à. Ouais, rien on y va, j'ai plus faim en fait. Ouais, non, c'est d'un coup là. Oh, l'air frais. J'ai failli mourir là. Tout ça en plus, y'a même pas de bœuf. Tu s'arrasses le magasin. Allez, ah bah pour dire que ça pue. Des portes papillons, ça fait toujours aussi gaze. Hein. Sur mon doigt là, mange mon gros doigt là. Vas-y, je te suis ce coup-ci vu que t'avances pas. Sinon, je vais mettre trop de puissance. J'ai pas envie de te semer direct, tu vois. Faut qu'on arrive à se suivre, tu vois, qu'on arrive en même temps là-bas et tout. Mais lui, je vais. Tu suis plus là déjà. Et voilà, tu vois. Mais t'es trop gaze. J'ai juré, tu vois, les réflexes. Putain, mais c'est un truc. Comment elle tourne pas, ce mec. T'es gaze, ta voiture elle est gaze. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie que t'as décidé de mener, madame. Non, mais je suis un pilote. Et niveau carburant, t'es bon, on est d'accord. Faux pilote. Je suis au 3 quarts. Ouais, c'est OP, on a le temps d'arriver en ville. Eh, on rigole pas, hein, autoroute, on bombarde, on y va, on se pète, on perd pas de temps. Ouais, parce que ça y est, frère, commence à perdre du temps. Oh là, fais attention, monsieur. On va pas attendre midi à 14h. Et des oui-ou là. C'est quoi ça encore? Et des motards derrière. Attends, ça se peut juste s'ils font un convoi ou un truc. Je sais pas. Quoi ce bordel? Je fais genre je vais à la station. Je te suis. Fais gaffe hein. Attends que le motard il descende. Oulala, c'était trop tendu de fou là. Lui, il aime pas de fou, lui. On s'arrête. Je me casse. C'est terminé pour vous. Non, c'est faux, fils d'épite. Si, fils d'épite. Cerné. Me dites pas fils d'épite, c'est pas trop poli pour vous. T'es une pite. J'ai de la moto. Ok, j'ai deux patrouilles, mais ils bombardent, frère. Autoroute, c'est une mauvaise idée. Hein. Faut que je sorte de l'autoroute. Je suis déjà sorti. Arrête, mais... Lui. Oh. Non, j'ai pas envie. C'est pas toi qui décide, monsieur. Ah, faut que je parle doucement, je pense. Faut qu'il se penche les motards derrière moi. Oulala! Au nom de la loi, je vous arrête! Ok, inspecteur Gadget! Wow. Ok, bon, là je vais pouvoir jouer avec eux. Pas. Force à Watt! Oh bâtard! Attends, là je peux les manger là sur des routes comme ça en fait! Allez! Moto. Y'a moyen. Oh, je les ai semés. Je les ai semés. Mec, j'ai gagné. Je suis un génie, je suis un professionnel, je suis un pilote. Je les ai semés.
Y'a plus personne derrière. Tu veux pas que je te ramène une ou deux motos? Voilà, dinguerie. Attends, je veux respirer un peu quand même dans ma vie. Quand je vous dis que je suis un pilote. Par contre, j'ai les vides pas très propres. Ah ouais, il t'aime beaucoup, hein? Un peu trop, je trouve. Ouais, je vois ça. Je crois qu'ils m'ont pas encore vu. Hop hop hop! Si vous m'entendez, ça veut dire que vous regardez toujours la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à liker et écrivez « Je suis un moukate » dans les commentaires. Ça veut dire que vous êtes grave des beaux gosses super intelligents de fou, genre. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens me chercher. Là, sol. Ah, vous descendez, oh! Chouette! Oh non! Oh non! Oh les problèmes! Oh putain, on s'est foutu dans la merde. Pourquoi je l'ai rejoint? Là, c'est quelque chose. Putain, frère. En fait, il faudrait qu'ils se gênent entre eux. Ça serait incroyable. Genre, faudrait que le véhicule, il fasse tomber le motard et tout. Hop là, petit drift. Il veut me coller, le fou. Arrête-toi. Non, c'est moi qui décide. J'ai pas envie de m'arrêter. Attention, il y a des voitures devant. Oups là, on va passer. Par là. Vous avez trouvé le motard. Mais j'ai juré, lui il est fou. Putain, allez, les gars. Rendez-vous, monsieur, c'est terminé. Demain, je m'arrête, monsieur, je m'arrête demain. Demain, je vais me rendre. Demain, vous arrêtez ? Oui, demain, je vais me rendre. Allez, vous arrêtez ? Oui, je vous promets sur la tête de vous. Promis ? Oui, promis, sur votre vie à vous. On arrête de vous suivre alors. Nickel. Descends. Préparez votre voiture et repartez, c'est une détente. On va passer par là. Bah, elle est deux. Monsieur, vous décradez des ans. Non, c'est pas vrai. Il y a trop de monde derrière moi, ça va être impossible. En plus, ils ont plus de puissance que moi, frère. Oh, ça, c'est propre là ce que je viens de faire. Putain, mais ils ont suivi. T'es chiant à bien suivre là, monsieur. Bah c'est mon métier en fait. Ouais, t'es trop chiant, regarde, t'es trop toi, relou. Il y a des arbres, il y a un caillou. Attention, dessus là. T'es trop relou, monsieur, je vais te buter, j'ai juré, je t'attrape, t'es mort. Mais la vie de ma mère, hein. Vous faites ça, je vous règle votre mère. Ah. Il est trop relou, wesh. Oh. Oh, je l'ai distancé un peu, bâtard. Ok, là je vais me cacher. La tête d'homme, là je vais me... Putain, mais... Ah, attends, oula! Hop! Demi-tour! Arrêtez-vous! Non! Arrêtez-vous! Hop! Comment tu veux semer une moto? Ma voiture ne ressemble plus à rien, frère, j'ai fait un covering rouge. Ah là là, les vides teintées, plus jamais, hein! Allez, vas-y, passe la deuxième là! Eh, ils font trop les malins, ces condés! Ah, oula! Ah! T'as écrasé quelqu'un là, je reconnais, bâtard. Oui, mon petit cochon. Il faut que je descende, je lui mets un coup de batte et je pars. Ce serait incroyable comme technique. Les autres, ils ont du mal à rejoindre. Allez, non mais il suit trop bien, frère. C'est trop. C'est grave. Oh. Hop là. Oh putain, il y a une voiture, l'autre il est là, le relou. Oh putain. Ah non mais pas vous, mais ça y est. Mais putain, mais pas lui, je l'aime pas. Je l'aime pas lui. Sinon je me pète à la nage en vrai. Allez, on t'arrête monsieur, c'est fini. On en est marre de vous. Eh mais toi je t'aime pas, tu peux te barrer monsieur, je t'aime pas. T'es moche, tu pues. Vous m'avez perdu là pendant quelques minutes, mais mon collègue il vous suivait bien. Ouais mais il est relou. Je vais sortir mon AK, je vais tirer dessus. Ah non, mais vitesse de pointe, il me mange. Hein. Putain, il y a toujours. Et toujours lui, toujours le même. Mais ta voiture, c'est pas vrai, bon, faut s'arrêter à un moment donné. Non, du moment qu'elle roule. On est bien rattrapé, monsieur. Rattrapage magnifique. Attention, mais les. Monsieur, vous êtes prévenu. Bah alors, mon petit cochon. Bon, Continue, vas-y, on est monté. Nique vos mères! Le suspect s'enfuit à pied, je répète, le suspect hop, s'enfuit hop, à pied. Hop, il monte les maisons. Hop, 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 hop. Je suis fatigué, je suis trop gros. Oh, allez, remonte. Vite. Mais Philippe, on s'arrête. Je fais dans sa voiture. Sors de là, je tire. En vrai, descend. En vrai, descend.
Il attaque. Tenez-le. Mais tenez-le, l'enlaisse. Mais vous êtes dangereux, j'ai joué. Fils de pute, toi tu m'attaques, l'enculé, t'es mort. Sinon, peut s'expliquer en vrai de vrai. Non, y'a pas de ça, monsieur. En attendant, vous êtes placé en garde à vue, vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. English, sorry, my friend. Garde le silence. English. Okay, so you speak English, no problem. Yeah. You are in arrestation. So you can have a heat and drink. Okay. And if you want, you can have a doctor. If you want a lawyer, you can have it. But if you have not money, we can find you a lawyer. Okay. So that's okay for you? It's okay. Allez, descends, petit cochon. Impeccable, allez, on va en cellule maintenant. Les tasers, ça fait beaucoup de taches rouges dans le dos, je trouve, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je me suis pris des balles. Parce que vous vous êtes pris beaucoup, waouh. Alors que c'est pas vrai, quoi, je me suis pas pris de balles. Non. Non, bah non. Mais recule. Mais recule, oh, mais si vous êtes 50 à vouloir passer une porte, c'est pas. Voilà, quoi. C'est vraiment des bouffons. Attention, il me reste deux balles là-dedans. Ah non. N'oubliez pas, c'est qui a les menottes actuellement? C'est moi, mais je vous laisse faire, c'est tout. Après, il croise les bras, il fait le bonhomme là derrière là. Comment ouais, comme faire, dans profil, quoi. Monsieur, il va bien se parler, d'accord. Parce qu'après, du compteur, c'est vous qui êtes en carré à vue. Ouais, c'est pas malin. Eh, démenote-moi, tu vois ce que je vais te faire. Bah, démenoter, bah voilà, nickel. Merci. Vous êtes dans des cartes d'identité? Non. Vous êtes dans l'obligation, sinon on va aller faire un tour aux enfants. Je promets la fouille à Nal, on va la faire. Non. Je peux la faire. Commandant et capitaine. Oui. Comme de par hasard, Madame Moukat. Moi, je suis capitaine, mais lui, il est colonel. Encore vous? Non. Mais là, vous abusez, en fait. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes tout le temps le seul dans nos cellules? Du moment que c'est qu'une impression, ça va. Vraiment, hein, la 1, 2, 3, 4, 5, là, elles sont vides. Hein. Il y a que la 6 qui est utilisée et par vous. Ah ouais, bah sinon, on peut faire ça. Pour changer. Ça, voilà. Hop. Voilà. Et puis voilà, en fait, au bout d'un moment, c'est ça, en fait, le problème. C'est que... Ferme, tu reviens ici.